Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le temps additionnel pour revenir sur les deux belles affiches de ce samedi soir en Super League, un classiqueur et un derby du Rhône. Des parties qu'on a suivies avec Claude Riff. Claude, quand on a préparé cette soirée, on se réjouissait de ces matchs, est-ce qu'ils ont tenu leurs promesses? Oui et non. Ils ont tenu leurs promesses, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas ennuyé. Chacun a eu ses bons moments. Et puis non, parce qu'il n'y a pas eu assez d'action dans le box, il n'y a pas eu assez de maîtrise. Et quand une équipe, tout d'un coup, elle doute vraiment beaucoup, son niveau baisse énormément, puis après, on la retrouve. Donc voilà, c'était plus ou moins maîtrisé. Un peu inconstant comme soirée, selon Claude Riff. On commence par le classiqueur, le match de l'autre côté de la Sarine, une partie que Yoann Tachet a suivie pour nous. Le classiqueur est toujours un match à part et les fans ont lancé les hostilités bien avant la rencontre dans un stade du Letzigrund des plus remplis puisque près de 20 000 spectateurs s'étaient amassés. Le ton est notamment donné par la Sud Courvée car un tel match ne se joue pas, ça se gagne. Mais les ardeurs des supporters zurichois vont être refroidies à la 19e minute. Lancé en profondeur par Jean-Kevin Augustin, Sergio Lopez profite du mauvais alignement de la défense adverse pour se présenter seul face à Brecher. L'Espagnol ne tremble pas et ouvre parfaitement son pied pour tromper le capitaine des champions en titre. Le joueur formé à la Castilla fête de la plus belle des manières son 24e anniversaire en marquant son premier but de la saison. Il en faut davantage pour déstabiliser les joueurs de Bo Henriksen qui dominent ce début de rencontre et leur abnégation va être récompensée. Antonio Marquesano et Cheick Kondé unissent leurs efforts face à Riccardo Calafiori. L'Italien est dépossédé du ballon par le Guinéen. Ce dernier ne se pose pas de questions et allume une mine sous la transversale de Marvinitz. Cheick Kondé a dû attendre son 35e match sous les couleurs du FCZ pour ouvrir son compteur but. Mais cela valait le coup de patienter avec une lourde frappe flashée à plus de 100 km/h. Je suis très heureux de marquer ce genre de but. Ça fait partie de mes qualités. Et après, c'est le foot, donc ça arrive. Dans une partie très fermée, les occasions se font rares et les défenses prennent le pas sur les attaques à l'image de ce tac de Katic sur Zekiri. Et malgré l'entrée de l'ancien Lausannois ainsi que celle d'Amdouni et de Ndoye pour le FC Bâle, c'est Zurich qui se réveille à la 71e minute se procurant coup sur coup deux occasions. Dans un premier temps, Kondé manque le cadre avant que Krasnici trouve Marvinitz sur la trajectoire de sa frappe. On sent que l'absence du meilleur buteur Ayegun Tosin pèse sur le manque de finition des offensives zurichoises comme l'illustre ce tir en déséquilibre d'Efaini Mathieu. Dans la foulée, la malchance s'en mêle. Okita passe tout proche d'inscrire un petit bijou. Le magnifique tir enroulé du Congolais vient s'écraser sur la transversale de Marvinitz, heureux que ce ballon touche du bois sans franchir à nouveau sa ligne de but. Dominé, balle est passée tout proche du hold-up à la 88e minute. Amdouni décale Andy Diouf, mais le Français se heurte à l'excellente sortie de Yannick Brecher qui préserve le point du nul. Les Zurichois, qui sont désormais sur 7 rencontres sans défaite devant leur public, sont contenterons, même s'ils auraient mérité mieux. On n'est pas satisfait, on pouvait gagner ce match. Et après, le football, c'est les détails. Donc je pense qu'on pouvait gagner ce match à 100%, mais après, on n'a pas eu de chance. Côté Balois, on accueille ce point de l'année en territoire ennemi à bras ouverts. Dans le foot, il faut toujours prendre ce qu'on peut prendre. Donc on ne va pas cracher sur un point. Après, je pense que c'est toujours mieux de gagner. On est là pour gagner, donc forcément, il y a une certaine frustration. Après, je pense que sur le match qu'on fait, c'est difficile de pouvoir quémander plus. Il y a des jours sans dans le football, il y a des jours où il y a des choses qui ne marchent pas comme on le voudrait. On a travaillé des choses, on n'a pas réussi à les mettre en place. À nous de regarder après sur quoi se pencher pour que ça ne se passe pas encore. Et il faudra trouver rapidement les solutions car c'est un tout autre morceau qu'affronteront les Rennes jeudi prochain. C'est l'OGC Nice qui se présentera au Parc Saint-Jacques pour un bouillant quart de finale de l'Europa Conference League. Ouais, on est voué à ne pas manquer assurément. On aime l'honnêteté hein, d'Andy Pelmar, Claude, à la fin, parce qu'il dit, oui, il voulait gagner, mais vu ce qu'ils ont présenté, ils ne pouvaient pas espérer beaucoup plus. Oui, il avait raison, parce qu'à la 87e minute, il y avait 6 occasions de but à 1 pour Bâle, et Bâle avait beaucoup de difficultés. On les sent quand même un petit peu émoussés. On sent que ce n'est pas les mêmes explosivités, la même fraîcheur qu'il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines. Donc à eux maintenant de bien récupérer avant d'affronter Nice. Et la preuve, c'est que le coach avait décidé de se priver de sa ligne d'attaque de feu parce qu'il les sent, il voit bien qu'ils sont un peu fatigués. Puis de rentrer les 25 dernières minutes, ils auraient pu faire la décision à la 89e. Heureusement pour le foot et pour le FC Zurich, ça ne s'est pas produit. Est-ce que je peux dire qu'il y a 2 perdants ce soir dans ce match? Parce que finalement, Bâle est dans cette lutte à distance maintenant hein, pour la 2e place, puis Zurich a toujours cette menace derrière. Alors,
Non, ils ne le prendront pas comme deux perdants, parce que le perdant, c'est vraiment si vous faites zéro, là, vraiment, vous avancez pas, puis la situation est encore pire. C'est pour ça que ce match nul à un point, quelquefois, contente, mais avec les victoires à trois et le match nul à un, on sait que le match nul, on n'avance quand même pas tellement. Bon, il y a une chose qu'on voulait revoir de ce match, c'est ce but de Cheick Kondé et cette frappe surpuissante sous la transversale de Marvin Hitz, flashé, calculé à 105 km/h ce tir-là. Ouais, ça, c'est des... Ça, c'est du moment, Claude, quand on tape dans le ballon, on sent que ça va au fond. Oui, qu'il y a quelque chose, parce que ce n'est pas que la force, c'est la coordination, hein, il y a une conjonction de tout. Et puis, pour info, les tirs les plus violents, les plus puissants, c'est du 120, 130 km/h. Là, il avait deux pas d'élan, il est arrivé à 105. Et puis, on a vu du reste. Visuellement, c'était assez magnifique. Zurich qui poursuit cette série, ils ne perdent plus à la maison, alors que voilà, c'était une équipe qui était au fond du gouffre en début d'exercice. Absolument, c'est la suite logique depuis que Eriksson a pris cette équipe, il y a quand même un sacré progrès, il y a 1,5 points par match environ, donc là on est toujours bien, on est dans les 3, 4, 5, 6e place avec ça, qui est quand même plus à même de refléter la valeur du contingent et la valeur de cette équipe. Bâle de son côté, sorti en demi-finale de coupe mardi, cette échéance importante, hein, cette conférence ligue jeudi contre Nice, et au milieu, il faut encore jouer le championnat, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué parce que quand même, une qualification Coupe d'Europe est importante pour un club comme celui-là, donc gagner la conférence ligue, ça c'est quand même autre chose, c'est peut-être plus facile de finir deuxième ou troisième du championnat de Suisse, donc effectivement, mais voilà, le match nul fait qu'on ne peut pas être totalement déçu, on n'est pas très content, mais on n'est pas totalement déçu, et puis c'est ce qu'il fallait pour le FC Bâle, après quand même la déconvenue et le match perdu 4-2, quand même Bâle a encaissé 4 buts chez lui contre Young Boys. Et Bâle doit rejouer contre Young Boys entre les deux matchs face à Nice. Le calendrier qui n'est pas très favorable. Non, c'est un calendrier démentiel. On l'avait dit en début d'émission, c'est que Bâle a disputé entre 12 et 15 matchs de plus que les clubs suisses qui ne sont pas qualifiés pour la Coupe d'Europe. Bon, finalement, c'est bien qu'ils aient raté la finale de la Coupe de Suisse. Ça leur fait un match en moins, Claude. Allez, après le classiqueur, place à notre duel, Roman, un derby du Rhône qui suit l'élimination de Servette aux portes de la finale, comme les Bâlois face à Lugano, et qui suit aussi la première victoire de Sion après presque 6 mois d'attente. Victoire le week-end dernier face à Lucerne pour l'essai du Noir. On va rentrer dans ce match et ça a été la première occasion a été la bonne pour les Servettiens dans cette partie, avec une perte de balle de Poa. Valls qui était titulaire ce soir, qui garde bien, qui décale Pluquet. Le centre vers Stevanovic qui n'a pas de bol deux fois de suite, et Crivelli qui conclut cette situation. Voilà, un centre magnifique de pur gaucher entre la défense et le gardien de but, et un peu de naïveté du côté de Diouf. Stevanovic peut passer devant et Renard des surfaces, c'est Crivelli. Mais là, il y avait 3-4 Servettiens dans les 16 mètres. Et puis, c'est une récompense du meilleur début de match que les jeunes voix ont offert aux spectateurs. Ouais, pour illustrer ce meilleur début de match, cette longue phase de possession, cette belle combinaison où Valls, servi par Mbabou, va pouvoir trouver Koutessa, et le bel arrêt de Lindner aussi. Il est descendu très vite, sorti l'épaule, magnifique. Et des défenseurs qui étaient quand même présents, hein. Ils sont là, il y a eu des renvois délicats, et c'est chaque fois un défenseur de Sion qui était là. Et pourtant, dans cette première mi-temps, eh bien, Sion va revenir au score avec l'aide de Vouillot, hein, qui vient percuter le jeune Zagré, et M. Wolfensberger qui indique le point de pénalty. Oui, qui percute vraiment. C'est-à-dire que, vous voyez, Vouillot, il s'en trouve même à terre, les deux, sans avoir touché le ballon. Donc, on peut siffler pénalty. C'est plus de la maladresse et le fait de rentrer dans un duel où il ne fallait pas rentrer. Donc là, comme défenseur, on apprend qu'on ne rentre pas dans le duel parce qu'on est trop tard et qu'il y a trop de risques de pénalty. Le pénalty, c'est la plus grosse occasion de but que l'on peut offrir à l'adversaire. Et une occasion que Gergic va saisir sur cette situation, le pénalty, face à Jérémy Frick, qui est transformé par Anto Gergic, qui marque, il faut le dire, son premier but de la saison. Ça a mis un peu de temps à venir. Il faut dire aussi, Claude, vous me l'avez fait remarquer, hein, que ce n'était pas Gergic le tireur principal des pénaltys cette saison à Sion. Voilà, entre Balotelli et qui en a tiré quelques-uns. On continue notre partie. On est en deuxième mi-temps avec ce coup franc de Reto Ziegler frappé sur le but. Itaitinga qui dévie, qui met le deuxième. Ça, c'est alors. S'il faut montrer un exemple de coup franc excentré et de timing de course de Itaitinga, parce que regardez, il y a 4 joueurs
sur la trajectoire. Si c'est pas Itatinga, c'est peut-être deux jours de session, mais c'est le tireur qui fait effectivement le 80% de ce but. Et après ce but sédunois, Servette tente de revenir, mais Lindner est encore une fois à la parade sur cette tête de Crivelli, un centre venu du brouillard et de Kutesa. Voilà. Et Lindner qui est un des meilleurs gardiens de Suisse et qui l'est toujours. Mais finalement, Servette va revenir au score dans cette rencontre. Clichy qui récupère, qui peut avancer. Il centre Crivelli-Devi pour Stevanovic qui égalise. Une scène qui a été revue par la VAR, validée par la VAR. Pas de hors-jeu de Stevanovic. Alors, la position semblerait, alors on ne le voit pas sur cette image, mais regardez le défenseur, c'est Ziegler. Est-ce qu'ils ont estimé qu'il remettait en jeu? Parce que là, je pense que Stevanovic en position, regardez son pied droit, il est en position de hors-jeu. Mais du moment que ça rebondit sur Ziegler, est-ce que c'est considéré le défenseur a remis le ballon en jeu? Alors, je sais que c'était une règle qui a disparu, qui est revenue. Je n'en sais rien. Et ça, seul un arbitre actuel de Super League pourrait nous expliquer si c'est parce que Ziegler a touché le ballon que le but a été validé. On va demander des explications. On n'en a pas encore eu, mais on en aura. Et on va faire notre mieux pour vous les transmettre. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on formule au moment où ce but a été validé pour les Servettiens. Servette qui va se procurer la dernière occasion de cette partie à la 77e minute. Un long ballon de Vouillot vers Bedia. Bedia qui veut ouvrir le pied gauche, qui contourne ce ballon pour tirer du gauche. Et ça passe de peu à côté. Oui, c'est pas si mal joué. Regardez, à 20-30 cm près, il aurait pu aller pied droit, il aurait pu aller affronter, bien sûr. C'était aussi une possibilité. Mais là, son tir est dangereux. Et le tackling de Schmidt aussi a passablement perturbé la frappe. C'est important que le défenseur tacle pour perturber l'attaquant. Bon, c'est un match qui s'est un peu arrêté ensuite. Sion qui voulait garder ce point, on a le sentiment, Claude. Oui, je crois que les deux équipes ont donné, voilà, Sion qui était heureux avec ce point, Servette qui a... Après cette élimination en Coupe de Suisse, voilà, on fait un point. Dans le derby du Rhône, on est toujours, bien sûr, deuxième du classement. Ça, on assure. Et puis voilà, il y a de quoi on sent le match avec une nervosité. L'entraîneur du FC Sion qui est expulsé, des gestes de nervosité. Puis on a toujours peur aussi de la fatigue. On sait que le dernier quart d'heure et le temps additionnel, c'est là où il y a le plus grand nombre de buts marqués par rapport aux 90 minutes. C'est le dernier quart d'heure et le temps additionnel. Donc tout le monde craint de dire mais on ne va pas tout perdre par une erreur de concentration ou que sais-je encore. Résultat de partout dans ce derby du Rhône. Et on a une première réaction à vous proposer, celle d'un joueur Grenat. Timothée Cognat, c'est la fin d'une grosse semaine pour le Servette FC. Comment vous la jugeriez cette semaine ? Non, c'est vrai que ça a été une grosse semaine. Voilà, on a eu trois matchs en une semaine. Bon, je pense que pour le championnat, c'est pas mal. Après, voilà, on a perdu cette coupe, mais bon, maintenant, on va tout donner pour le championnat. Le match de ce soir, comment vous le jugeriez ? Parce que nous, de l'extérieur, on a quand même l'impression que Servette avait plus envie d'aller chercher une victoire. Quelle est votre lecture ? Non, c'est vrai que nous, on a essayé d'aller chercher notre victoire. Après, malheureusement, excusez-moi de l'expression, mais j'ai un peu l'impression de m'être fait niquer. Mais bon, après, il ne faut pas parler sur les arbitres parce que sinon, on va être suspendu, donc on ne va rien dire. Mais bon, je pense que ce soir, le Servette a montré un beau visage. On a joué au ballon, on a essayé d'aller chercher cette victoire. Malheureusement, on n'a obtenu que le nul, mais c'est quand même bien. Avec notamment deux gros arrêts d'Heinz Lindner. Jusqu'au pénalty, vous étiez bien dans le match, vous étiez les plus pros, vous étiez les plus rapides, les plus dynamiques. C'est un petit peu là que ça se casse, parce que c'est aussi dans la tête que ça se joue. Non, c'est vrai que ouais, avant ce pénalty, on était vraiment bien. Même après, hein, on n'a pas refusé le jeu. Voilà, on a pris ce péno un peu bête. On reverra à la vidéo comment on pouvait mieux faire. Mais voilà, c'est vrai que ce péno nous tue un peu dans cette première mi-temps. Mais bon, on a su rebondir malgré ce deuxième but de Sion et aller chercher ce nul. Bon, ça s'équilibre un peu, Claude, entre l'histoire du hors-jeu pour Stevanovic puis le pénalty en faveur des Sédunois. Oui, mais alors je sais pas si ça peut être une morale de l'histoire. Si les erreurs s'équilibrent ou se déséquilibrent. Bon, il paraît que sur une saison, ça s'équilibre toujours. Oui, paraît-il. Bon, le plus important pour Sion, on l'a pas dit, hein, c'est que c'est un deuxième match sans défaite. C'était plus arrivé depuis le mois d'octobre. C'est 4 points qui rentrent quand même pour les Sédunois. Voilà, exactement, parce que ça aurait pu être une autre comptabilisation. C'est un point de plus que Winterthur maintenant, Winterthur qui va à Lucerne lundi. Lundi, donc, attention, pas demain. Voilà, non, pas demain, lundi. Et puis donc,
C'est clair, c'est d'éviter ce match de barrage qui pourrait être un piège incroyable contre une équipe de challenging, on ne sait pas laquelle. Et puis après cette élimination en coupe, où voilà, Servette a mis beaucoup d'espoir hein, dans ce match face à Lugano. L'important pour les Grenats, c'était de ne pas se démobiliser pour la fin de ce championnat. Voilà, surtout pas se démobiliser, parce que quand on perd quelque chose, on ne veut pas encore perdre et tout perdre. Et donc, pour Servette de finir 4e ou 5e et de ne pas avoir de place européenne, ce serait vraiment une saison en échec, alors qu'on pouvait aller en finale de coupe. Il fallait passer Lugano. Et puis, on est deuxième avec 4 points d'avance à 9 journées de la fin. On espère au moins terminer deuxième. C'est quand même un beau résultat et qui est surtout très encourageant pour la saison suivante qu'un Servette qui se reconstruit depuis 4-5 ans. Il ne faut pas l'oublier. On va revenir une dernière fois sur ce match avec une autre interview d'un joueur servettien. Jérémy Frick, on a parlé avec un de vos coéquipiers qui a dit un peu poliment, on va dire, ou pas, qui a le sentiment de s'être fait un peu avoir sur ce match. Je vous écoute volontiers là-dessus. Ouais, bien sûr, je pense que si on n'a pas existé aujourd'hui, comme d'habitude. Et voilà, nous, on a fait un match qu'on devait, je pense, sur certaines actions. Et puis derrière, voilà, on s'est punir, je pense, sur un penalty très litigieux. Il y a même pour nous, en fin de match, qui est passifé. Voilà, l'arbitrage, en ce moment, est pas en notre faveur. C'est extraordinaire. Le deuxième but, c'est sur un coup franc inexistant. Donc oui, voilà, on s'est volé. Mais voilà, si on avait besoin de jouer à 12 aujourd'hui pour remporter un point. Puis voilà, on aime bien, je pense, les maintenir dans le championnat, peut-être, inconsciemment, peut-être. Et je sais pas, aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre comment on n'a pas pris 3 points avec la première mi-temps qu'on a fait. Et surtout, j'arrive pas à comprendre pourquoi on est un but derrière eux en deuxième mi-temps très tôt. J'ai presque l'impression de vous entendre comme lors du deuxième derby. On s'était déjà parlé. Vous êtes supérieur et ça marche quand même pas. À part les arbitres, qu'est-ce que vous pourriez aller chercher chez vous? Bon, le match d'aujourd'hui n'était pas aussi flagrant que le premier match, je pense, de la reprise où c'était carrément vidéo gag. Non, je pense que voilà, aujourd'hui on pêche sur des actions défensives où voilà, on veut peut-être trop bien faire la chose. Et voilà, ce penalty voilà, qui est ultra litigieux, mais voilà, le ballon ne doit jamais arriver dans la surface à ce moment-là. Et puis voilà, ce coup franc en deuxième mi-temps, bah, voilà, c'est un coup franc en section, voilà, c'est une de leurs qualités, ça il faut leur laisser. Et puis il est très bien botté, et puis derrière, voilà, mais c'est aussi encore une fois un coup franc qui n'existe pas. Et puis voilà, il se passe ce qui se passait à la fin, je pense qu'on peut remporter les 3 points. Et puis voilà, si on a su tenir le score, voilà, ça il faut leur laisser. À la fin, jusqu'au coup de sifflet final, mais il y a une fin après la fin. Je vous ai vu aller vers les supporters. Qu'est-ce qui s'est passé, les supporters valaisans? Ah non, moi j'ai pas été, j'ai récupéré ma gourde. Puis j'étais copieusement insulté. Et puis ben voilà, j'aurais juste levé un pouce en leur disant merci, ça me touche. Et puis voilà, après, il en faut peu pour eux pour s'enflammer. Mais non, voilà, voilà, ça fait partie du football, ça fait partie du derby aussi. C'est pour ça, je crois qu'ils sont très contents que j'aille en fin de match au final. Je suis leur jeune voix préférée, j'imagine, pour ce genre de choses. Donc non, voilà, c'était une fin de match. C'est une fin de match que je mets toujours ici à Tourbillon quand je vais récupérer ma gourde dans le but. Oui, il envoie pas des pics, Jérémy Frick, il sort les piquets dans ce genre de situation. Bon, ça fait partie des derbies aussi, cette petite provoque hors du terrain. Oui, ben voilà, il y a toujours effectivement des provocations comme ça qui ne sont pas vraiment sympathiques parce que effectivement l'ambiance, elle était bien sur le terrain, en dehors, tout s'est bien passé. Et puis les insultes, personne ne les aime. Non, ça c'est sûr. En tout cas, Jérémy Frick, il n'ira pas jouer à Sion d'aussitôt. En tout cas, c'est mon pronostic. Une réaction encore d'un salut noir, Reto de Sigler, qui était à l'interview tout à l'heure. Avec Reto de Sigler, la bonne nouvelle, Reto, ben, c'est que vous enchaînez un deuxième match sans défaite. Ça fait plutôt du bien au moral. Non, c'est clair, on est dans un moment positif. Il faut dire qu'on travaille vraiment, vraiment durement pendant la semaine. Donc je suis content qu'on voit les résultats. Le coach, il est arrivé, il nous a donné des choses claires à faire. Je pense qu'on a retrouvé cette volonté de se battre ensemble, de tenir les lignes compactes. Maintenant, c'est vrai que c'était un derby qu'on voulait gagner, mais on est content déjà avec un point. La mauvaise nouvelle, c'est que vous faites que 2 points sur 24 possibles à la maison. Ça, il faut le corriger parce que les gens viennent vous voir. Vous travaillez la semaine, mais ils veulent encore plus. Non, c'est vrai, on a la chance d'avoir des supporters qui sont toujours derrière l'équipe, même quand c'est un peu plus difficile. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on a montré qu'on lâchait pas. Voilà, on a pris ce premier but, on est revenu dans le match. C'est une force de l'équipe. Je pense que mentalement, on est vraiment dans un moment positif. Maintenant, il faut enchaîner. Et il faut surtout faire des points, c'est ça. Il faut qu'on sorte et qu'on monte dans le classement.
Les résultats provisoires, évidemment, de cette journée de Super League. Deux matchs nuls ce soir. Le 1 partout entre Zurich et Bâle dans le classiqueur. Le 2 partout, le quatrième match nul dans les derbies du round d'affilée. Il y en aura encore, hein, évidemment, entre Servette et Sion 2-2 pour celui-ci. Le programme, vous l'avez à l'image, ce sera lundi et non pas demain. Ne vous trompez pas avec Lugano face à Saint-Gall, le duel entre IB et Getse. Et enfin, Winterthur qui accueillera Lucerne. Au classement, peu de changements. Servette prend un point de plus. Bâle passe provisoirement devant Lugano à égalité de points avec les Tessinois. Et puis Sion compte désormais un petit point d'avance sur Winterthur. On passe à la Challenge League, tour d'horizon des premiers résultats de la 28e journée avec Yohann Tachet. Le derby du lac de Neuchâtel sentait la poudre vendredi soir. Au stade municipal, le leader Yverdon Sport avait non seulement l'occasion d'hisser toujours plus haut la grand voile au sommet du classement, mais également de couler davantage AXA Max Bondernier qui navigue à vue. Et il ne faut que 17 minutes pour que ne vacille une première fois le bateau rouge et noir. Le centre de Lepogam est maladroitement renvoyé par Kenan Faktic dans les pieds de Brian Beyer. Le Français à bout portant trouve un trou de souris entre les jambes de Théo Givarch. Brian Beyer inscrit déjà sa 9e réussite de la saison, la 5e sur les 7 dernières parties. À contre-courant, Xamax n'aura strictement rien montré dans cette partie, ou presque. Tout juste cette frappe trop croisée, trop écrasée d'Ouafsa à la 53e minute. Avec le vent dans le dos et toute voile dehors, Yverdon poursuit sa domination, 57e. Koro Kone se voit accorder logiquement un pénalty après avoir été crocheté non pas par le capitaine mais par le portier xamaxien. Toutefois, Théo Givarch se rattrape. Le dernier rempart de Neuchâtel se détend bien et maintient son équipe encore à flot. Koro Kone, lui, sevré de but en 2023, devra encore patienter avant d'ajouter un 13e pion à sa fiche de statistiques. Mais face aux vagues vaudoises qui déferlent, Xamax ne tient pas le cap bien longtemps. 3 minutes plus tard, Mauro Rodriguez se joue de Faktic et d'Amo Abeng avant de torpiller le pauvre Givarch, portier abandonné. 2-0 et nouvelle victoire précieuse qui permet à Yverdon Sport de prendre large au classement après la petite avarie subie à Lausanne la semaine dernière. C'est une bonne victoire qui nous fait du bien. On avait l'esprit revanchard de faire une bonne prestation. C'est ce qui s'est passé, donc ça fait toujours plaisir. C'est top. On avance, hein, c'est très serré ce championnat, il est très dur. Prendre des points, c'est toujours important. Jusqu'à le sprint final qui arrive, là, il va rester 8 matchs maintenant. On doit prendre tous les points et on ne doit rien lâcher. À l'opposé, le canot xamaxien prend l'eau, mais on croit encore au sauvetage. Malheureusement, même quand on joue bien, on a 2-3 absences qui font qu'on lâche un point, deux points, trois points. Et au final, ben, voilà, ça se ressent dans le classement. Après, on va encore jouer Vaduz, le dernier match à la maison. À 3 matchs de la fin de saison, on joue aussi Bellinzone à la maison. Donc, faut rien lâcher, on peut encore revenir et il faut y croire. Même s'il devient désormais très difficile pour Neuchâtel Xamax de tenir la barre, qui lui permettrait d'éviter le barrage contre la relégation, puisque son plus proche adversaire, Bellinzone, s'est imposé. Les Tessinois, qui n'avaient plus gagné depuis 13 rencontres, sortent de la galère face à leur victime préférée, le Lausanne Sport, grâce à un magnifique coup franc de Christian Souza. Les Vaudois, qui n'ont pris que 2 points sur 12 face au néo-promu cette saison, réalisent la mauvaise opération du jour et voient donc Yverdon larguer une nouvelle fois les amarres en tête du classement. Bellinzone, c'est l'épine dans le pied du Lausanne Sport cette saison. C'est incompréhensible. Oui, c'est incompréhensible. Bon, des bêtes noires, on connaît. Enfin, chaque footballeur se rappelle d'avoir des équipes bêtes noires. Est-ce que c'est l'explication? Je ne sais pas. 2 points pris en 4 matchs pour le LS. C'est quand même contre Bellinzone. Hein. C'est quand même des points qui pourraient venir à manquer en fin de saison. Oui, surtout avec le combat. Ben, on verra. Thun qui revient. Alors, Ville qui explose un petit peu, mais ce n'est pas terminé. Donc, il va y avoir un combat pour les deux premières places. Montée automatique, et puis après, le match de barrage contre la Super League, ça, c'est quand même déjà plus compliqué. Ben, on va voir, hein, ce qui s'est passé dans les rencontres de la soirée en Challenge League. Petit tour d'horizon rapide avec le stade Lausanne-Ouchy qui accueillait Haro, les Argoviens qui menaient 3-0 dans ce match, dont ce splendide lob de Fazliou pour le 0-2. Triple changement à la demi-heure avec les entrées de Garcia Lunga et Bamba. Le Slo qui a réduit le score avant la mi-temps sur cette grosse frappe qu'on a vue à l'instant et puis qui est revenu 3-3 avant de s'incliner 4-3. Et puis dans l'autre duel, le duel entre Ville et Thun, victoire des Thunois 2-1.
Ils sont impressionnants, ces tournois, Claude. Alors, ils sont quatrième maintenant, hein, un point de Ville, donc ils reviennent. C'est vrai que c'était une équipe qui était un peu surprenante parce qu'il y avait un vrai contingent avec Lustrinelli. Donc, c'est une équipe qui pourrait monter, qui a vécu un automne compliqué. Par contre, 2023, alors là, ils tiennent la route. Ils sont très forts. Et là, ils ont le vent en poupe. Il reste 8 matchs. Ils sont capables d'arriver dans les deux premiers. Donc, attention, Lausanne, attention. Ouais, Thun en droite ligne hein, vers ces trois premières places, en tout cas, du classement. On va récapituler les résultats de cette 28e journée de Challenge League. Victoire 2-0 d'Yverdon Sport dans le derby du lac face à Xamaxel de Bellinzone, 1-0 sur le LS. Je vous l'ai dit, Haro qui a finalement réussi à s'imposer alors que le slow était revenu à 3 partout. Et puis, cette victoire de Thun sur la pelouse synthétique de Ville. Lundi, le match entre Vaduz et Chafouze. Au classement, Yverdon est en tête avec 52 unités, suivi de Lausanne qui est à 48 points. Ville fait du surplace et Thun, vous l'avez dit Claude, revient au quatrième rang à un point des Saint-Gallois en bas de classement. Xamax voit ses adversaires directs peu à peu s'échapper. Vaduz à 24 points, Bellinzone 28 désormais. Votre prochain rendez-vous, attention, c'est lundi et non pas dimanche, je vous l'ai dit, en Super League sur Blue Sport, vous donne rendez-vous pour la partie entre Lugano et Saint-Gall, suivie de la rencontre entre IB et Getse. Entre autres, il y aura aussi Winterthur Lucerne dans le même temps. Merci beaucoup, Claude Riff. Merci, avec plaisir. Belle soirée en votre compagnie. C'était le temps additionnel sur Blue Sport. Bye bye.